si va va. Y'a quoi au menu? De l'amour cru et pas fraîche qui pue comme Pumba. Vu que je te dis, Timon, cette chanson me retourne toujours les tripes. Je sais, Pumba. Bon, ça suffit comme ça. Timon, tu fais quoi là? Ben j'avance jusqu'à la scène où nous entrons. Mais tu peux pas faire ça dans le désordre! Bien sûr que si, mon copain Pourcin. J'ai la télécommande! Mais personne ne va rien y comprendre! Il faut remonter au commencement de l'histoire! Mais nous sommes pas au commencement de l'histoire! Si, nous y sommes tout le temps! Ah! Oui, mais eux ne le savent pas! Alors pourquoi leur raconte pas notre histoire? Eh, j'ai une idée. Pourquoi on leur raconte pas notre histoire? Oui, je trouve ton idée géniale. Un petit tour dans les coulisses, leur montrer l'envers du décor, pour qu'ils découvrent les plus intimes secrets de l'histoire à l'intérieur de l'histoire. Parce que personne ne sait que nous étions bien là, même si personne ne sait que nous étions là, tu sais. Je n'aurais pas dit mieux moi-même. Alors ça veut dire que nous remontons au commencement? Oh non, Pumba, non. Nous allons remonter bien avant le commencement. Le rocher de la fierté. Si majestueux. Si puissant. Si bizarrement nommé. Pumba, comment un rocher peut-il être fier? Ce n'est qu'un rocher. Eh bien, je crois que c'est parce que la fierté fait partie de la noblesse des lions. Ah d'accord, les lions ont le rocher de la fierté. Et qu'est-ce que nous avons, nous, les mangoustes? Là d'où je viens, il n'existe rien que nous pourrions être fiers. Pourquoi? Quand j'étais une jeune mangouste. Quand il était jeune mangouste. Bel organe. Merci. Mais peut-être que ce serait mieux si je leur montrais exactement d'où je viens. Sans blague, on va voir l'endroit où tu as grandi, c'est vraiment ouais, vrai. Ouais, Pumba, c'est pas très joyeux. S'il vous plaît, veuillez rester assis pendant que la caméra est en mouvement. Terminus. Du rocher de la fierté au bas-fond de la honte, nous tombons si bas dans la chaîne alimentaire que nous sommes sous terre. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Alors je laisse la parole à mes amis mangoustes. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Vite avant que les hyènes ne viennent. Rien en vue. Timon? Excusez-moi, avez-vous vu mon fils? Est-ce qu'il est ici? Timon! Oncle Max! Oncle Max, relax! As-tu vu Timon? Non, je ne l'ai pas vu, et c'est un jour exceptionnel. Pas de fracture, pas de lacération, pas de commotion, ni confusion, ni contusion d'aucune sorte! En résumé, il n'y a aucune trace d'un exploit de Timon dans ce cœur! Ça, c'est Timon! Salut les amis. Joli travail, Timon. Félicitations, terreur des tunnels. Qui d'autre pourrait causer autant d'éboulements? 4 ans, une semaine? T'as battu ton record? Timon,
Eh quoi? J'ai fait une lucarne! Oh, waouh! Quel génie créatif! Une lucarne! Oh. Attendez, j'ai deux mots à lui dire. J'essayais de mettre un peu de soleil dans notre sinistre existence. Timon, ça ne peut plus durer. Rien que ce mois-ci, tu as fait s'écrouler 4 murs et bouler 2 sorties de tunnels. Nous devons veiller les uns sur les autres. Notre survie dépend de chacun. À quoi bon? Tout ce que nous faisons, c'est creuser pour se cacher et se cacher pour creuser. Et je voudrais trouver un endroit où on n'a pas à creuser des tunnels et vivre sans avoir la tête enfouie dans le sol. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à rêver de vivre dans un ailleurs meilleur? Je veux te montrer quelque chose. Regarde, Timon. Allez, regarde. Observe bien la ligne d'horizon. Au-delà des arbres. Au-delà des prairies. Tout ce que le soleil illumine appartient à quelqu'un d'autre. C'est drôle, je croyais que tu aurais un point de vue complètement différent. Que veux-tu? La nature est ainsi faite. C'est vrai, Larissa, nous sommes la nourriture des autres animaux, un festin ambulant, gras de personne et mangé par tous. Mais quand ils meurent, ils deviennent de l'herbe, et nous la mangeons cette herbe, exact? Pas exactement, nous ne digérons pas l'herbe, elle nous rend malade. Très bien, Max. Merci de nous avoir aidés. La mangouste, c'est l'ami du bon petit déjeuner. Merci, oncle Max. Je crois qu'oncle Max a reçu un peu trop de rochers sur le caillou. Mais il a raison, Timon. Je suis sûre que tu peux trouver ta place ici. Bon, qui est la sentinelle aujourd'hui? C'est ça. Mon fils sera la sentinelle. Timon, la sentinelle. Timon, la sentinelle. Pourquoi ne pas mâcher le travail aux hyènes et me tuer maintenant? Tuez-moi maintenant. Il a pas tort. Tout ce que tu as à faire, c'est guetter les hyènes et crier quand tu en vois une. Regarde, Joe, la terreur. Ne ferme pas les yeux. Reste éveillé. Quelqu'un doit nous garder. Quelqu'un doit nous protéger. Waouh. Bah maintenant, je suis convaincu. Écoute. C'est à l'extérieur, en plein air, au grand jour, sous le soleil, n'est-ce pas ce que tu voulais? Ou peut-être préfériez-vous qu'ils reviennent creuser le tunnel avec vous? Non! Bien, nous sommes tous d'accord alors. Timon, écoute bien oncle Max, il t'apprendra tout ce que tu dois savoir. Et chérie, cette fois fais en sorte que ça marche. Cours, Ranif! Tremble! Cours, Ranif! Tremble! Cours, Ranif! Tremble! Bien, maintenant, que faisons-nous si nous voyons une hyène? On crie « Maman !» Exact, monsieur, parce que le monde là-bas est rempli de dangers. Rempli, je te dis. En ce moment même, je suis rempli d'espoir. Dévorer morceau par morceau. Bravo, oncle Max. Tu as l'art de vendre ta camelote. C'est ça, applaudis, jeune Blanc-Bec. Mais essaie encore d'applaudir quand tu n'auras plus de main. Cours, renifle, tremble. Cours, renifle, tremble. Hein? J'adore ce rythme-là. Cours, renifle, tremble. Cours, renifle, tremble. Cours, renifle, tremble. Cours, renifle, tremble. Je veux vivre sans panique. Pas finir comme un steak tartare. Berk! Je suis peut-être un petit gastronomique, mais au menu, il y aura de la bagarre. Je vais laisser tous ces tunnels derrière moi pour vivre le plus haut possible et crier jusqu'au ciel à haute voix. Les mangoustes ne sont pas comestibles. Pour la première fois, je penserai à moi. Je vais de l'avant en faisant un grand bond. Je suis un bon vivant qui ne veut que du bon. Je me sentirai plus grand en fuyant ce désert, respirant l'air du vent, en me mettant au vert. Et je serai à craque dans mon hamac près de la rivière. J'oublierai ces tunnels en vrac et cette vie sous terre. Être le numéro 1 pour moi, il n'y a pas mieux. C'est ce que je veux.
oui, c'est ce que je vois. J'ai toujours fui comme à la pas de Garen. À présent c'est fini, je prends les rênes. Y'en a qui trouvent douce la chair de mangouste, mais je suis pas une langouste, ouste. Mon rêve suprême, c'est la fin des hyènes. Waouh, c'est un de mes spectacles. Moi qui croyais que le haricot était la seule nourriture musicale. Je... Eh bien, je te salue aussi. D'accord. Ce n'est pas le moment de faire des galipettes, Timon. Tu devrais être là-haut à guetter. Les hyènes. Wow, regardez s'embrouiller. Et c'est comme ça que je les aime. Légèrement baveux. Viens ici. Qu'est-ce que t'as? T'es inconscient ou quoi? Stumpy? Flinchy? Oui. Swifty? Ah, oh, quel soulagement. Tout le monde est... Où est oncle Max? Allez, cours Max, cours! Dépêche-toi! Vous avez essayé Tider Express, quels sont les résultats? Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Poma, t'es assis sur la télécommande! Hein? Désolé, je croyais que c'était une tablette de chocolat. J'ai tremblé alors que j'aurais dû courir. Quel pied! On se marre toujours autant, pas vrai? Comment le classique ne se démode jamais? Je crois que je dois à tout le monde des excuses. D'accord, j'ai commis une légère erreur, mais lequel d'entre nous ne s'est pas mis à chanter pendant qu'il était de garde? Allez, que les coupables lèvent la main! Très bien. Peut-être qu'il est encore un peu trop tôt, mais je suis sûr qu'un jour nous rirons tous de cette aventure. Faites-moi confiance. Je t'ai fait confiance. Mais... Je n'aurai jamais ma place ici. Personne. Non, personne ne m'aime. Bien sûr que si, mon poussin. Bien sûr que si. À part toi, maman. À part moi, il y a... Je dois trouver ma place. Et elle n'est pas ici. Mais si elle l'est, nous ne l'avons pas encore trouvée, mais ça viendra. Tiens, j'ai une idée. Tu pourrais... Et arrête de me tripoter les cheveux. Ma place est là-bas, maman. Oh, je ne sais pas exactement où, ni comment la trouver. Mais je dois y aller. Non, attends. Je crois que si nous... Maman. Bon, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mon enfant. Oh, je t'aime tant. Je t'aime aussi, maman. Timmy. Mon Timmy. Maman, tu me serres trop, j'étouffe. Et les gens se demandent pourquoi je suis perturbée. Mais ça va aller. Oh, je sais que ça ira. Ça ira.
ce serait... Et ne parle pas aux étrangers. Je sais, maman. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Maman, je suis plus un enfant, tu sais. Ne va jamais te baigner tout seul. Ah, si. Oh, yeah. Quoi? Quoi? Au revoir, maman! C'est ainsi que, plein d'espoir, je partis courageusement vers ces espaces inconnus où aucune mangouste n'avait jamais osé s'aventurer. Je laissais mon passé derrière moi, ha, sans jamais me retourner. Maman! Maman! Pourquoi j'ai fait ça? De quel côté je dois aller? Ça dépend de ce que tu cherches. Comme c'est pratique, le singe omniscient fait son entrée au bon moment. Ouais, mais tu connais le dicton. Quand l'élève est fin prêt, le professeur apparaît. Parfois, je me demande où tu apprends tout ça. Hé, hey, d'où vous venez? J'ai une meilleure question. Qui est où vas-tu, toi? Oh, dans un pays merveilleux, monsieur. Où? Vous n'avez pas entendu la chanson que j'ai chantée il y a quelques minutes, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas eu ce plaisir. Je résume. Je veux vivre en un lieu magnifique. En plein air, dans un endroit tranquille, où je n'aurai ni à me cacher, ni à m'inquiéter. Ouh! Une vie sans souci. Tu cherches Hakuna Matata? Hakuna Tomata? Hakuna Matata, ça veut dire sans souci. Parfait! Ça vous ennuierait de prendre votre bâton et de me dessiner une petite carte, grand-père? Aïe! Hey! Pour le trouver, tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Et en langage décodé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Écoutez ce vieux singe qui me donne des conseils existentiels. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. On s'entend plus penser avec toute cette musique. Au-delà de ce que je vois. Attends un instant. Je sens que ça vient. Ou c'est la limace que j'ai mangée, ou bien j'ai une illumination. Je dois me pointer vers ce gros caillou pointu! C'est ça? Qui était cet étrange singe? Ah, peu importe. Paradis, me voici. Ah, oh, eh oh! Étrange message singe! La première impression est toujours la bonne. Tu veux savoir quelle impression tu m'as fait? Ah! Mange-moi tout de suite, je t'en prie, fais vite, parce que je ne tolère en zéro la douleur. Relax, relaxe-toi, petit. Je ne vais pas te manger. Quoi? C'est vrai? Alors pourquoi est-ce que tu me suis comme ça? Eh bien, c'est que je t'ai vu arriver et je me suis dit qu'un petit gars comme toi ne devrait pas rester ici tout seul. Eh, hey, tu fais quoi, toi? T'es bien ici tout seul? T'es bien tout seul, pas vrai? Oui, la plupart des animaux gardent leur distance vis-à-vis de moi. T'es sérieux? Même ceux qui ont faim?
Ouais, je fais fuir à peu près tout le monde. Dès qu'il me voit arriver, il court se mettre à l'abri. On se marche dessus, on se piétine, c'est la panique. Voyez-vous ça, c'est peut-être les points de ces méchantes défenses, hein? Tu leur glaces le sang dans les veines. J'en sais rien, en tout cas, ils disent que je leur coupe l'appétit. Ah ah, on dirait que tu... Tu dégages une force énorme. Une force énorme? Oh, eh bien oui, je dégage fort et énormément, c'est vrai. Parfait, je t'engage. Génial. Pourquoi faire? Pour me conduire jusqu'à ce que ce paradis où l'on vit sans souci que tu vois là-bas, ce gros caillou pointu. Et tu veux que je vienne avec toi? Ha ha! Verrais-tu une autre énorme et adorable masse de facochères ici, qui aurait des défenses aiguisées comme des rasoirs et la facilité de repousser les prédateurs? D'accord, je suis ton porc! Toi et moi, on s'est compris d'un seul coup d'œil. Tu veux dire comme des amis? Waouh, doucement mon grand, hein? Je dirais plutôt comme... des connaissances! Oh! Bon, mais c'est un début! Top la connaissance! Je m'appelle Timon! Pumba! Ah oui, vraiment. Bon, bah alors, taillons la route! C'est parti! Connaissance! Dis, éclaire-moi un peu, tu veux? Si tu ne voulais pas me dévorer, quelle sorte de méchant cochon sauvage es-tu? Je suis un insectivore. Oh, un bouffeur de chenilles. Exactement comme moi, mais j'ignorais comment ça s'appelle. Je suis très amateur de créatures rampantes. Pas toi, mon grand? Moi, je préfère celles qui ont des ailes. Pumba, je crois que c'est le début d'une belle collaboration de connaissances. Maintenant, nous sommes revenus au début, pas vrai, Timon? Ouais, t'as tout compris, mon copain. Enfin, l'horizon s'éclairait. J'avais le soleil sur les épaules, le vent dans les talons et une chanson dans le cœur. Et pour me protéger, un grand gars gras et gros. Tu trouves vraiment que je fais gros? Pumba, Pumba, Pumba. Tu es un porc. C'est un compliment. Oh, 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 oh. Merci. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Ah, oh, oh, oui. Le voilà. Le gros caillou pointu. Ça y est. Nous sommes presque. Je crois qu'on est vaguement en retard. C'est la ruée vers l'ouest, ce bavard de vieux singe. Il a dû le crier aux quatre coins du monde. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Regarde au-delà de ce que tu vois. Alors peut-être que tu devrais regarder au-delà du gros caillou pointu. Peut-être que je devrais regarder au-delà du gros caillou pointu. Très bien, jetons un petit coup d'œil, d'accord? Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. C'est pas vrai, ce vieux singe a un véritable don d'agent immobilier. Timon, regarde. Hey, c'est ce vieux babouin. Qu'est-ce qu'il tient dans ses bras? Bah allez, on s'en fiche, c'est pas important. Dépêche, mon paradis m'attend. Oh, je me sens pas très à l'aise dans la foule. Je crois qu'on devrait passer par derrière. Tu ne sais pas que la plus courte distance entre mon paradis et moi, c'est la ligne droite. Suis-moi. Oh. Laissez passer! Écartez-vous! Pousse-toi, grande canne! Attention, j'arrive! Timon! Il y a une petite chose que je voudrais te dire! Pumba, Pumba, Pumba! Nous aurons tout le temps de bavasser quand nous serons installés! Je crois que j'ai besoin de faire une petite pause. Ne t'en fais pas, tu vas le trouver ton grand souffle. Je sens monter en moi comme un vent de panique. Ça va passer. Vois-moi, ça va passer. Oh, regarde, les rhinos font la révérence. On devrait peut-être s'incliner.
s'agenouille devant l'héritier royal. Alors c'était ça ton puissant pouvoir, hein? Quelle super arme! Tu veux dire que tu m'en veux pas? Non mais tu plaisantes, c'était canon! Tu sais, je suis pas du genre à m'en vanter, hein. Je crois que c'est mieux comme ça. En avant, Pumba! Allez en route, mauvaise proute! J'y suis enfin, camarade, le pays de mes rêves, et je ne le partagerai avec personne. Tu vas pas te sentir trop seul ici? Trop seul? Mais je vais profiter de la vie. Vivre au coude à coude me rappellerait un peu trop la maison. Cet endroit a tout ce qu'il faut, des cocktails de fruits frais, un douillet petit hamac, un adorable point d'eau, et tout ça rien que pour moi. Ouh. Bon, je vois que tu es bien installé, Timon, alors... Alors je crois qu'il me reste plus qu'à m'en aller. Bah attends un peu, tu veux? Attends. Il n'y a aucune loi qui dise que tu dois t'en aller. Enfin, si tu veux... Oh, super, Timon! J'ai préparé deux lits! Un pour toi, et un pour moi. Cet emménagement m'a complètement épuisé. Je vais me coucher tôt. Bonne nuit. Dors bien. Rêve de belle punaise cette nuit. Une maison tranquille, enfin. Tes voisins, on devrait aller leur dire des bonjour. Des voisins bruyants. C'est comme ça qu'une propriété se dévalue. Les animaux dépendent de la lumière. Ce qui va se rendre de nos voisins. Je voudrais déjà être roi. Ah super, on a emménagé dans le quartier des théâtres. Regarde-moi ces guignols. Fermez-la. Les artistes. Relève la tête, Pumba. Oh, notre paradis doit être quelque part dans le coin. Tu sais, Timon, une fois, je suis passé par un endroit qui pourrait bien être ce que nous cherchons. Des cascades spectaculaires dans une luxuriante oasis tropicale. Un décor de rêve. Arrête ça, Pumba. Je suis un réaliste. Et je ne pars pas à la recherche d'un pays imaginaire. Je vais aller au-delà de ce que je vois. Mais si tu vas toujours au-delà de ce que tu vois, comment tu seras quand t'es arrivé? Bah, je te le dirai quand j'y serai. J'y serai. Quel endroit charmant, romantique, rustique, pittoresque. Oh, Pumba, mon doux foyer. La maison de mes rêves. Ah, bien sûr, il faudra faire quelques travaux, mais elle a une bonne ossature. Après tout, c'est un cimetière d'éléphants. Et qui voudrait venir dans un cimetière d'éléphants? Ah! Sire, les hyènes attaquent les enfants! Je vois des carnivores. Au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois. Bah, au-delà de ce que tu vois. Hey, Timon, ce serait peut-être le moment de te souvenir de ce merveilleux endroit dont je t'ai parlé. Hey,
C'est la maison de mes rêves. Mon gros, la maison... De la vapeur. De la vapeur, c'est bon. La vapeur, c'est de l'eau, hein. Il faut avoir de l'eau, tu sais, dans une maison de rêve. La vapeur, c'est le bonheur. Vapeur, bonheur, vapeur. Je suis parfaitement heureux ici. Et c'est isolé, c'est privé, pas de visiteurs importants. J'ai pas l'impression que ce soit un défilé de majorette. Au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu... Ah ! Hé, dis-moi comment je peux regarder au-delà de ce que je vois derrière ça ? Hein ? Oh ! Désolé. Si cet endroit manque d'eau et d'ombre, en revanche, il bénéficie d'une chaleur d'enfer et d'un soleil aveuglant ! Un vrai paradis, Pumba ! Et si nous courions pour sauver nos vies? Avec joie. Accroche-toi, Timon! C'est la fin! Adieu, mon cruel! C'est tout? Pff, c'était pas si terrible. On se débarrasse pas de ce vieux Timon aussi facilement. Non, trouvez mieux que ça. Pumba, question. Est-il possible de tomber à l'extrémité de la Terre? Techniquement, non. La Terre est ronde comme une sphère et donc elle n'a pas d'extrémité de par le fait. Je peux mettre sur pause une petite seconde? Bien sûr, vas-y. Je reviens de suite. Comme le monde est petit. Ah, comme le monde est petit, tout petit, petit, tous avec moi. Ah, ah comme le monde est petit. Ah, da, 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 da. J'ai pris un modèle Jumbo pour partager. Tu te mettais pas les doigts dans le nez par hasard? Non, c'est ma narine qui me démangeait. Bah! Timon, ça va? Je laisse tomber. Mais tu peux pas laisser tomber, on n'a pas encore trouvé le pays de nos rêves. C'est fini, Pumba. Je t'ai entraîné dans cette galère trop longtemps. Je rentre à la maison et je te suggère d'en faire autant. Oh, je le ferais si je pouvais, mais je ne peux pas. Mais si tu peux, mon copain porcin, t'es libre. Non, je veux dire, je n'ai pas de maison. Pas de maison? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es perdu? Y'a pas d'endroit assez bien pour toi? Quoi, t'es tout seul dans ce monde sans pitié? Ah. La vérité, c'est que... moi aussi, je suis tout seul. Pumba, tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Ah, tu veux dire? Oui, Pumba, les amis ne se séparent jamais.
Timon, est-ce que tu pleures? Mais non, j'ai une poussière dans l'œil. Tiens, mouche. Tiens, Pumba. Oh, merci. Non, rien. Je me sens mieux. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé ce pays de rêve. Pourquoi on a écouté ce stupide vieux singe? Je crois que peut-être tu abandonnes trop tôt, Timon. Au-delà de ce que tu vois. Tu te rappelles cet endroit dont je t'ai parlé? Oublie ton pays imaginaire et regarde un peu ce que j'ai trouvé. Ça, c'est ce que j'appelle au-delà de ce que tu vois. Pumba, c'est notre pays de rêve. Paradis tropical? Sport de plein air? Bar mou? Spécialité exotique? Buffet à volonté? Le vieux sage avait raison! On a trouvé notre pays de rêve! Je vais nous préparer petit quelque chose! Il l'avait appelé d'un nom de rêve aussi! Tout le monde à table! C'était une phrase magnifique qui avait du rythme! La doula, da-da-da! Et c'est ça, c'est Nia Fritaka. Ah non, c'est pas ça. Et Pilar Hermada. Tais-toi, Pumba, j'ai cette pensée. Lukum Minikota. Deux mots. Astiko Picata. Six syllabes. Kauna Kulada. 12 lettres. Kaskuten Shilada. Ça rime avec. Ragu de la plate. Pense. Manque de goût, tout ça. J'ai oublié. Je danse la lampada. Hey, comment tu peux danser dans un moment pareil? Je craque, moi. Excuse-moi, camarade. Hakuna Matata. Répète ça. Hakuna Matata, ça veut dire pas de soucis. Oh. Oh. Hé, Timon, j'ai une idée. Et si on chantait ensemble? Et comment, mon copain rigolo? J'adore le karaoké. Envoie la musique. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie. Hé, hey, attends une seconde. Pumba, où est la coccinelle? Tu ne peux pas t'en empêcher, hein? Désolé. D'accord, mais cette fois-ci, essaye de te contrôler. Hakuna Matata! Yeah! Yeah! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie! Hakuna Matata! Matata! Hakuna 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 Matata! Quoi? Oh, 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 oh. Ça veut dire sans souci. Je vois. Alors, j'ai dit au petit, pour trouver Hakuna Matata, tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Oh, une métaphore. Eh bien, en réalité, ce n'est pas une métaphore. Oh! Tu as utilisé une métaphore pour Timon? Il prend tout au pied de la lettre. Bravo! Il meurt de faim là-bas, j'en suis certaine. Max, Timon est parti chercher une métaphore. Il faut que j'aille le retrouver. T'es pas folle! C'est beau d'avoir le soutien de sa famille, en tout cas. Bien, allons-y. N'oublie pas, le voyage que tu entreprends commence avec le premier pas. Merci, voilà mon premier pas. Aïe! Aïe! Faire un safari de porc-épic. C'était pas une bonne idée, tu sais. Ouais, c'était aussi malin de vouloir avaler vivant un serpent sonnette. Oh, tu ne manques pas de piquant. Hé, regarde, des vautours.
On se refait une partie. Dis, t'es d'accord? Bah voyons, j'ai sûrement encore un morceau de peau libre. Oh, s'il te plaît. Non, Pumba, je suis épuisé. Vas-y toi, moi j'ai eu ma dose. Mais c'est pas drôle tout seul. Ah, pourquoi pas? Une partie de plus ne changera pas nos vies. Qui sait pourquoi le destin nous conduisit vers Simba ce jour-là? Peut-être était-ce simplement mon goût pour l'aventure, ou mon courage inné, ma vaillante et héroïque façon de... Hé hey, qui est responsable des arrêts sur image? Désolé. Quoi qu'il en soit, secourir Simba fut du gâteau, puis vint la vraie séquence terrifiante. Accord parental souhaitable. Timon, je dois y aller. Y aller? Aller où? Tu sais, y aller, vite. Ah, y aller? Bah, fallait y dire, bien vite. Allons-y. Quand faut y aller, faut y aller. Jeune lion, descends de là. Wouhou, génial. Et vous ressemblez à des fourmis vu d'ici. Je compte jusqu'à trois. Youhou. Oh oh. Un, deux, oh. Trois. Ah, encore? Non, j'ai soif. Tu sais ce que ça veut dire, que tu devras y retourner dans 2 heures. Tiens bon Simba, je viens t'en secours. Je vais vieillir de 10 ans à force de traverser cette chose. Qu'est-ce que tu as contre le fait de vouloir passer une bonne nuit? Ah! C'est pas ma faute, j'ai fait un cauchemar. Ah, bon... C'est pas moi. Le petit a fait un cauchemar. Oh! Pourquoi tu ne viens pas dormir ici avec nous? Mon Pumba, c'est ton Pumba. D'accord. Bonne nuit. Dors bien. Rêve de punaise cette nuit. Regarde où tu diriges ton haleine du matin. Souffler peut nuire à ton entourage. Oh, quel service du réveil. On dirait que quelqu'un s'est levé du mauvais côté du facochère. Qu'est-ce qui va pas, pépé? T'as un peu trop pris d'Hakuna Matata. Jeune blanc-bec, j'ai inventé Hakuna Matata. Ah oui, mais moi je l'ai perfectionné. Bah voyons. Pumba, qui détient le record mondial du pull en roux qui sent la punaise pourrie? Je crois que c'est Simba. Très bien, alors, qui est le champion des mangeurs de limaces? Encore Simba! Croqueur de criquet? Simba! Avaleur de larves? Simba! Mâcheur de mouches? Encore Simba! Gobeur d'escargot? Personne, il n'y a jamais eu de concours de gobeur d'escargot! Hmm.
Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. J'avais dit que c'était pas une très bonne idée. Et c'est ainsi que l'élève surpassa le maître. T'es encore allé traîner avec ce vieux singe, toi. Il grandit, notre Simba. Est-ce l'enfant que j'ai pris dans mes bras? Qu'on a-t-il grandi autant que ça? Hier encore, il n'était pas si grand. Soleil couchant, soleil levant, s'envole dans le vent. Maintenant, tu vois pourquoi on appelle ça du boule de bousier. Oh oui, c'est surprenant et pourtant si délicieux. Oh ouais, ce sont mes préférés aussi. Ça c'est bon pour la santé. Ouais, après une longue journée à ne rien faire, c'est bon de se relaxer. Trois amis et pas de soucis. Que veut-on de plus? Laisse-lui, guidez-moi. Je crois qu'il est l'heure d'aller me coucher. Je sors, je te suis. Oh, tu me pourras toujours rire. Simon, c'est à toi de dire bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Rêve de punaise cette nuit. Faut le dire, c'était quand même la belle vie. On aurait pu vivre comme ça jusqu'à la nuit des temps. À part un tout petit mini des détails que nous avons oublié de prendre en compte. Nala? Comment as-tu? C'est un vrai désastre, Pumba! Un vrai désastre, je te dis! Un désastre parce qu'enfin ils se retrouvent l'un l'autre comme deux âmes sœurs se rejoignent à travers le temps uni par les liens d'un unique amour. Cher innocent petit Pumba, elle va planter un pieu en plein cœur de notre Hakuna Matata. Oh, alors je crois que nous devrions faire quelque chose. Et je sais ce qu'on doit faire. Pumba, on ne doit pas laisser leur amour briller sous les étoiles.
c'est si romantique. Vachement. Ça a marché comme dans un rêve. C'est vrai. Sarcasme est un mot inconnu pour toi, hein? Regarde! Elle lui fait un de ses œils doux. Et il lui fait un de ses sourires. Et il rit. Et il s'étreigne. Et... S'il s'enfuit vers le rêve ce soir... Dans leur folle ronde. Si notre ami nous dit au revoir, nous serons seuls au monde. Ça y est, c'est fini. On a fait tout ce qu'on a pu, mais on l'a perdu. Peut-être pas. Tu n'abandonnes jamais, toi. Regarde! Tu ne sais même pas par quoi je suis passé. Je le saurais si tu me le disais. Laisse tomber. Parfait. Pomba! Tu sais ce que ça veut dire? Eh bien, il ne peut exprimer ses sentiments et elle a des problèmes relationnels. On a gagné! On les a séparés! Et c'est une bonne chose. On dirait qu'il a comme du mal à encaisser. Bah, je sais, pauvre petit. Mais c'est une bonne chose pour nous. Enfin, je veux dire pour lui. Oh, allons-nous-en, Pumba, je crois que l'orage va éclater. Hakuna Matata est enfin sauvé, camarade, car personne ne pourra nous prendre notre petit maintenant. Il est parti ? Ça veut dire quoi ? Il est parti ? Ce que le vieux babouin a dit, le roi est de retour. Oh, tu veux que je raconte encore toute l'histoire ? S'il te plaît, oui, mais sois gentil, saute directement à l'épisode qui parle de Simba, bien que votre enfance ait été passionnante. D'accord, écoute. Simba est le roi légitime, mais après qu'il eut disparu, Scar se proclama lui-même roi et conclut une alliance avec les hyènes. Pauvre Simba, quelle tricherie, quelle vilainie, quelle indescriptible horreur! Bla bla bla, elle se moque de nous! Cette femelle givrée va nous croquer, oui! C'est pourquoi Simba doit vite revenir pour affronter son oncle et revendiquer sa place légitime de roi. Oh, vous ne comprenez donc rien! Simba a besoin de nous, maintenant! Besoin de nous? Alors il n'avait qu'à pas nous abandonner! S'il veut conquérir pour le titre de votre majesté, alors moi je dis, ne t'accroche jamais à une branche pourrie! Garde Hakuna Matata pour quelqu'un qui l'appréciera! Mais Timon, c'est plus vraiment Hakuna Matata ça notre Simba! Mais qu'est-ce qui te prend toi, plus Hakuna Matata? Mais c'est n'importe quoi! N'importe quoi, je te dis! Rien n'a changé ici! On avait Hakuna Matata avant Simba, et aujourd'hui, nous l'avons encore! Nous devons aider notre ami Timon! Toi aussi, Pumba! Tu veux tout simplement t'en aller et abandonner tout ça! Qu'est-il arrivé aux amis qui devaient jamais se séparer? Hein? 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 J'allais justement te demander la même chose.
J'ai tout ce que j'ai toujours voulu, ici même. Voilà ce que j'appelle vivre. De l'espace, 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 de l'espace. Oh là 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 là. Hakuna Matata. Quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Une vie sans souci. Toi, non, 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 pas un mot, je sais ce que tu vas dire. As-tu trouvé Hakuna Matata? Mais oui, j'ai trouvé! Merci beaucoup! Et je suis heureux, 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 délicieusement heureux! Ho ho ho! Je vois, heureux, n'est-ce pas? Alors si tu es si heureux, pourquoi as-tu l'air si misérable? Misérable, dis-tu? Mais pourquoi serais-je misérable? Ho ho! Je ne sais pas, peut-être parce que mes deux meilleurs copains au monde m'ont laissé tomber! Eh! Et ils sont partis pour accomplir une héroïque mission! Mes amis sont partis. Et mon Hakuna Matata est parti avec eux. Tu veux bien? Aïe. Merci, je suis content de cette conversation. Mon travail ici est fini. Les vrais amis ne se séparent jamais. Pourquoi tu as ralenti, si on peut appeler ça ralenti? Je voulais te donner du temps pour nos retrouvailles. Oh, quel grand fou. Allez en route, Bobby Sprout. On a rendez-vous avec une bagarre. Vas-y, mets les gaz. Oh oui! C'est ce qui fait les légendes! Un combat épique qui donne naissance aux héros! Pumba, c'est peut-être le plus grand moment de notre vie! Louaou! Ne vous demandez pas si du lard ou du cochon, si vous avez pas croqué tout cru, mon copain! Passons aux scènes importantes, tu veux? Bien sûr! J'adore le parfum de Pumba le matin. Hé, hey, bouge un peu ton pétard, chérie. Maman, oncle Max. Oh, Timmy. Timo. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je t'ai cherché partout. Oh, maman est là. Oh. Bien, laissez-moi vous présenter mon meilleur ami, Pumba. Maman, oncle Max. Maman, oncle Max, Pumba. Regarde, voilà Simba. Et l'autre doit être son oncle Scar. Oh, bien, et discute pour se mettre d'accord. C'est comme ça que ça doit se passer. Tu sais, j'ai l'impression que cette histoire va bien finir. Et d'un autre côté... Les hyènes sont là-haut pour protéger Scar. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'ai un plan. Dis-nous comment on peut t'aider.
Maman, oncle Max, on va leur tendre un piège. Vous allez creuser, oserais-je le dire, des tunnels. Des tas de tunnels. Et Pumba, toi et moi, nous allons débarrasser Simba de ses hyènes. Oh oui, oui, il les a tirés dans le piège. Hé, hey, rien ne t'échappe, bravo. En avant, soldats, à l'attaque. Il y a quelque chose de différent chez Timon. Tu crois? Il porte une robe! Hé, hey, Pumba! Comment tu appellerais une hyène avec un demi-cerveau? Hé, je donne ma langue, Timon. Vas-y, toi! Une sourdouée? C'est d'où qu'il parle? Pour votre dernier repas, vous allez ravaler ces mots. Ah, je crois qu'on a tiré leur attention. Attends, retiens-les. On se creuse, creuse un tunnel. D'accord. Non mais se fiche de nous là. Maintenant, maman. Pas encore, chérie. Figure libre. Bravo, bravo. Non, pas bravo, gigot, gigot. T'as raison, croquons-les tout de suite. Est-ce que ça y est, mort? Pas encore, continue. Attendez, attendez, écoutez-moi une seconde. Hé, hey, Timon, qu'est-ce que tu fais? Shenzi Maria Predatoria Vendetta Chacalina Hyena, voudriez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme? Non, pas question! Shenzi Maria, je vous en prie, je sais ce que vous pensez. Nous sommes trop différents, ça ne marchera jamais. À quoi les enfants ressembleraient-ils? Mais ça viole toutes les lois de la nature. Écoutez-moi, les problèmes de couple pour deux allumés comme nous ne comptent pas plus qu'une poignée d'asticots dans le cycle de cette vie de dingue. Alors deux questions. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas moi, qui? Je me sens si seul. Je peux être ton garçon d'honneur. Je crois qu'on va sauter le mariage et aller directement à la case buffet. Maintenant? Oui, si vous êtes prêts. Ouh, maintenant, Max, maintenant. J'ai besoin d'aide, ça n'a pas marché. Ça dépend pour qui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Attrapons-les. Scar est terriblement déchu. On l'a fait, on a réussi. Où est Timon? Où est mon bébé? Il est blessé. Oh non, il est mort. Ou pire, il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on le retrouve. Ça va bien, maman. Oh, je t'en prie, ça ne va pas bien. Me dis pas que ça va bien. Oh, Timmy. Mon fils, le héros. Oublier une mèche. C'est tellement beau. J'étouffe. Je manque d'air. Thank you.
je n'aurais pas pu réussir sans vous, les gars. C'est notre petit. Ah, je m'étais promis que je ne pleurerais pas. Tu as fait beaucoup de chemin, Timon. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? En effet, j'ai trouvé un endroit qui allait au-delà de mes plus beaux rêves. Mais ce n'était pas chez nous. Rentrons à la maison, maman. Bienvenue dans notre nouveau chez nous. Un environnement sans prédateurs. Je dois te rendre justice, Timon. Cet endroit a tout ce qu'il faut. Ouais, maintenant que nous sommes tous là, je le crois. Déploie ses ailes et tourne avec élégance. Creuse un tunnel, vite, un tunnel, et puis un plus grand tunnel. Creuse un tunnel, vite, creuse un tunnel, ne crains plus que les hyènes viennent. Célébrons la gloire de Timon, chantons en quête de chansons, grâce à lui, Simba est le roi. Oh oui, c'est cool de fréquenter les sports. C'est pas comme il faut voir. J'ai fait ce qu'il faut pour que ce soit comme ça. Fini les guerres du Brasil, elle nous mène le terre fort. Chantons tous en cœur cette chanson, célébrons la gloire de Timon. Et voilà, le terminus, la conclusion, la fin heureuse, le grand final. Oh, c'est déjà fini. Ah, Pumba, c'est ça l'ennui avec le final, c'est qu'il vient toujours à la fin. Oh, est-ce qu'on pourrait revoir le film ? Pumba, on vient de le voir. Peut-être demain. Hé, qu'est-ce que vous faites, les garçons ? Oh ! Vous m'avez pas dit que vous regardiez le film ! Moi aussi, je veux le voir ! Maman, nous venons de finir, le spectacle est terminé ! Eh bien, vous n'avez qu'à le rembobiner ! Maman ! Oncle Max, viens, on va voir le film ! Oh ! Non ! Hé, j'ai apporté du pop-corn ! Eh les gars, vous regardez le film ? Oh, une bonne histoire bien racontée peut se compter deux fois ! Mais qu'est-ce que... Oh, excusez-moi ! Pardon ! Hatsu, au toit de mon chemin ! Mais c'est qui tout ce monde ? Hé, hey, assis devant ! Aha ! Aloha ! Attention ! Wow ! D'accord, mon grand, tu as gagné. C'est vrai, ça t'ennuie pas ? Hakuna Matata. Chut, désolé. Timon, je me sens toujours pas très à l'aise dans la foule. Quick before the hyena come.